À quelle occasion vous mettez des lunettes? Tous les jours sur le scooter. Ah oui. Je mets celle-ci en fait. Pour de vrai, je mets celle-ci tout le temps. Et sinon, quand je veux être un peu plus féminine, je mets des choses un peu plus relevées vers le haut là. Qu'il y a là. Un peu papillon. Ouais. Est-ce que vous pourriez décrire comment s'est déroulée la séance de photos pour la campagne? À la campagne, j'étais très très gaie. Le film était sorti depuis longtemps, ça avait marché. Je revenais de vacances avec ma fille, j'étais très heureuse, très reposée. Il n'y avait que moi sur le plateau, tout le monde s'occupait de moi. C'était assez agréable. Bah oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans Carl? Qu'est-ce qui vous a... J'ai senti quelqu'un de pas du tout blasé. D'une part de ce qu'il faisait, d'autre part de sa curiosité, d'apprendre, de connaître, de découvrir, de s'inspirer. Et c'est ça qui fait sa force, ouais. Quelles sont les premières images qui vous reviennent à l'esprit entre vous et Chanel? C'est le parfum de ma mère et de ma tante, qu'elle mettait pour les grandes occasions. Et à chaque fois que je vais à l'aéroport, je vais sentir le Chanel numéro 5. Ça me renvoie... la nostalgie. Dans le style de Chanel, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? J'aime la discrétion. J'aime quand c'est discret. J'aime... Le blanc, le noir. Ouais, j'aime le blanc, le noir. J'aime les perles. J'aime le côté masculin, féminin. Avant qu'ils me choisissent, je prenais souvent des vêtements chez eux. Et puis, les gens de la maison étaient très gentils avec moi. Ça peut paraître un discours formaté, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça quand ça ne marchait pas. Quand ça ne marchait pas, personne ne voulait me prêter des vêtements. Et Chanel, si. Je vais me mettre à pleurer, là. Pouf. Oh là là. Ouais. Ouais. J'adore les trucs de... Ouais, les trucs coquets, les trucs Chanel, les trucs de marque. Je suis restée très enfantine sur ce sujet, ouais. Je m'intéresse à la... Enfin, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, vous savez quoi? On peut très bien regarder les défilés Chanel et puis regarder les infos. C'est pas heureusement que l'un ou l'autre. Je vote tout le temps, je vais à des manifs, mais je vais aussi à des défilés.